fait pour un laser. Ok. Mesdames, messieurs, bonjour. Beauté. Les dames ne répondent pas. J'entends que les beautés. Bonjour. Mbote. Merci beaucoup. La presse fait partie de la société civile. Vous savez, non? C'est une activité que nous menons ensemble. Vous êtes là pour l'intérêt du peuple, c'est-à-dire c'est vous qui informez le peuple de quelle manière il est géré. Vous lui permettez de fonder son opinion ou son appréciation sur l'évolution de la nation. Nous sommes réunis ces jours dans ce beau cadre d'Africana Palace pour un point de presse de la société civile RDC. Il s'agit d'une déclaration qui sera faite par la bouche du secrétaire permanent, M. Jean-Bosco Kouna. Mais bien avant cela, nous devons donner la précision sur le concept. Nous tous, nous vivons dans ce pays qui s'appelle République démocratique du Congo, dont la démocratie fait partie de notre identité. L'histoire du monde indique que la démocratie, partout où elle a été appliquée, elle a conduit ses peuples ou ses nations au développement intégral. Malgré les prédispositions de notre pays, il s'avère que le système politique pose problème. Le système où les acteurs qui gèrent l'État ou les institutions de l'État posent problème. Et le peuple, malgré la lueur d'espoir, avec l'avènement des nouveaux présidents à la tête du pays, je cite Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est en train de voir cet espoir s'étioler au jour le jour. Nous vivons où nous évoluons de scandale en scandale. Il y a une session qui venait d'ouvrir, de s'ouvrir, depuis le 15 septembre, consacrée essentiellement au budget. Et les contingences politiques obligent que cette session devra traiter des autres matières. La dernière production de la présidente de l'Assemblée nationale a jeté un flou artistique sur le programme ou les attentes, ce qu'il faudrait attendre de cette session. Et notre rôle est de guider le peuple. Le souverain primaire. À quoi faudrait-il qu'il s'attende? Comment devrait-il se préparer? Comment ses inquiétudes se présentent-elles, se justifient-elles? Quelles sont les réponses qui profilent à l'horizon? Et ces réponses sont-elles susceptibles d'apporter un changement dans le sens qu'il souhaite? Ce sont des questions. Et à travers notre déclaration, nous allons rassasser ce que nous avons déjà dit pour fonder de plus en plus l'opinion de ce peuple souverain qui, en ce moment, cherche ou se cherche mais ignore son réel pouvoir, alors que c'est lui qui peut changer les choses dans le contexte de la démocratie participative. Lorsque l'État est bloqué, l'État qui est son émanation, il lui incombe à lui-même
de réformer l'État s'il le faut, de réformer le système politique s'il le faut, de reconfigurer l'espace pour les animateurs, pour les mandataires s'il le faut. Et cette prérogative lui est reconnue à l'article 5 de la Constitution. Et notre rôle est de conduire notre peuple à agir en toute responsabilité. Sur ce, je vais donner la parole au secrétaire permanent qui va prendre ma place là où je suis et il va livrer la déclaration. Merci, camarade coordonnateur général de la Société civile de la République démocratique du Congo. Déclaration de la Société civile de la République démocratique du Congo à la suite des différentes sorties médiatiques de Madame la Présidente de l'Assemblée nationale. La Société civile de la République démocratique du Congo, dans son rôle de garant des intérêts de la population, a observé la marche de l'Assemblée nationale au cours de deux dernières sessions parlementaires et fait les constats ci-après. Au niveau de l'Assemblée nationale, la présidente de l'Assemblée nationale a émis des critiques en violation des principes de solidarité des institutions de la République lors des événements politiques suivants. L'adresse du président de la République aux compatriotes à Londres s'agissant de la dissolution de l'Assemblée nationale. L'ordonnance du chef de l'État décrétant l'état d'urgence jugée par Madame la Présidente comme une violation de la Constitution. La guerre des positionnements au sein du bureau de l'Assemblée nationale qui aboutira à la destitution de son premier vice-président à la personne de l'honorable Jean-Marc Kabound. Les propositions de loi des députés Minaku et Sakata pour le contrôle de l'appareil judiciaire déclarées recevables par le bureau de l'Assemblée nationale à la surprise générale des dizaines de députés. L'entérinement à la va-vite par l'Assemblée nationale de la candidature de Ronsard Malonda à la présidence de la CENI. La requête de la présidente de l'Assemblée nationale pour une augmentation des émoluments des députés de l'ordre de 2 000 $. La suggestion du député national Ngoï Kassandji pour une élection du président de la République par les députés nationaux au suffrage universel indirect. Le flou artistique entretenu sur les questions majeures, notamment celles relatives aux élections et à la CENI, qui préoccupent le peuple congolais ainsi que les partenaires internationaux. Au niveau du Sénat, la Société civile de la République démocratique du Congo a constaté le refus par le sénateur d'autoriser une enquête sur les millions de dollars engloutis dans la réfection de l'hémicycle par le président, y compris la plainte pour propos discourtois de sa part à l'endroit d'une collègue sénatrice. La révocation d'un haut cadre d'un cabinet politique au bureau du Sénat pour avoir usé de sa liberté de parole et d'expression. Tous ces comportements relevant des élus contrastent avec le contrat social qui vise la défense et la promotion des intérêts de notre peuple. Les députés nationaux et sénateurs ne se préoccupent pas de questions relatives à la gratuité de l'enseignement, à la distribution équitable de l'eau au plus grand nombre de la population, à la gestion pour une répartition des richesses nationales à toutes les provinces, à la délinquance juvénile et au banditisme urbain récurrent, au détournement à grande échelle des deniers publics
dans tous les secteurs. Pour toutes ces raisons, la société civile de la République démocratique du Congo appelle le peuple congolais à la signature massive de la pétition en cours pour la dissolution pure et simple de l'Assemblée nationale pour inefficacité et complicité dans leur mission régalienne de contrôle parlementaire. Ce tableau illustre que la rupture de la coalition FCC-CACH devient une nécessité urgente et les peuples s'impatientent. Elle invite par ailleurs le président de la République, chef de l'État, de poursuivre à travers la justice tous les inciviques reconnus auteurs des détournements qui ont conduit notre pays et notre peuple à une pauvreté indescriptible et à un avenir incertain. Ainsi fait à Kinshasa, le 24 septembre 2020, pour la synergie pour la société civile de la République démocratique du Congo, Jean Bosco Pouna, secrétaire permanent, Christopher Ngoï Mutamba, coordonnateur général, et je vous remercie. Peuple, plus rien ne se passera sans nous. Peuple, plus rien ne se passera sans nous. Peuple, plus rien ne se passera sans nous. Plus rien ne se passera sans nous. Plus rien ne se passera sans nous. Oui, chers amis de la presse, voilà livrer la déclaration de la société de ce jour. Il s'agit d'un point de presse. Normalement, il n'appelle pas au jeu des questions-réponses. Vous avez pris l'essentiel. S'il y a des petites interviews à la partie, vous pourrez vous les accorder, mais exploiter la teneur de la déclaration. Et je vous remercie. Société civile et la République démocratique du Congo, Tokutanaki, Potolobela, Makambo Mboka. Makambo ezali kosala ke ba institution bazala na boyokanite. Tobandaki na institution Assemblée nationale Pambate Tomonaki, Maman Janine Mabunda wazali présidente Assemblée nationale asalaki ba sortie médiatique. Lokola to Kongoli nyonso oyo lobamaki deja yango tolingaki lelo to lobelango pona kokebisa ba institution na biso pambate biso en tant que société civile tozali kaka na intérêt ya kobundela mboka pe population na biso totali na makambo ezali koleka ezala na Assemblée nationale to pe na Sénat tomoni likambo liboso oyo tozongeli tolobi ke mokolo chef de l'État asalaki état d'urgence. Eh bien, na kati Assemblée nationale, ba ndongona ki kuna pe balobai ke chef de l'État a viola ki constitution. Toye komona pe likamoko eleka ki kuna, moto azala ki premier vice-président Assemblée nationale wana, Jean-Marc Kabund, pona ndenge alobaki ke misolo bimaka ebele tango basala ka congrès, pona kaka na likambo wana, moto wana ba député nyonso basangela ki ye, pe alongwa, na perchoir et pas y azala ko sala pona kaka na tina lobaki ke misolo bele bimaka pona ko organiser congrès likambo msu oto moni ke ezali ko benda ezali likambo ba loi mina kusakata ba loi oyo wana ezali contre peuple mais ba loi wana na niveau Assemblée nationale bango bandimaki yango esala ki passe na peuple na biso mobimba bongo mama ya likambo ezali pe mama ya likambo likambo to bengi ya ba élection oyo na lombango Bautaki kotia Ronsard Malonda comme président Aseni na kobuka ka ba procédure nyonso parlementaire nani pe abosani makambo elobamaki po ba bakisela ba député $2,000 na ndenge ke oyo bazwa ke zali muke to moni biso nyonso ke ba fonctionnaire ba l'état bazali na pasi koleka mais likambo ne salimaki to uti kolanda dernièrement tango mama président abimi ba tunie motuna pona mbongo oyo bafutaka ba député atikala kozwa ta réponse te biso na ngamo na biso en tant que société civile toyoki mawa makasi pamba te bato oyo wana biso totindaka bango na parlement babundela biso me kasi lelo tomoni eloko moko ezali kosalema te na ngamo ya sénat tomoni likambo moko ke kuna tango batuni président ya sénat
alo bambongo oye kutaki pona kobongisa emisikle babiro na bango bakabine na bango eh bien ya tombo kaki makasi pe likamwana etikala kosale mate bato mosusu bakweya kana mbeba kaka pona nini balobela likamwana toyebi ke ba revoka ka cadre mobimba ya cabinet politique mobimba kuna ka na senat pona tina lobela ki makamboyo president senat a salaka tango to kongoli to tali ba comportement nyoso wana to monique ezo permettre te ke mboka ekende liboso pona awa to moni makambo etali gratuité tozo mona nungu nungu ezali ba musuba lobi esuka na 6e biso nyoso toyebi année passée ekenda ki tina ba humanité boni boni avantage aki ba député bazali ko lobelango te tozali ko mona kuluna na banditisme urbain ezongi makasi batu bazali ko zwa ba machette ezala na moy ezala na butuk eloko wana pe ba député bazali ko lobelango te tozali ko mona pe likambo etali ba détournement ya ba denier public okomona boy directeur à banque okomona boy mbakonzi minene minene bazali ko yiba mosolo à l'état na ndenge moko bambula na bambula lelo oyo tomoni ke ba fictif bazali ebele ebele ya ebele dans tous les secteurs mbongo ya l'état ekendaka bo pamba oyo sengela ke futa ba agent na ba fonctionnaire de l'état donc ce qui tozui makambo nyonso wana tomoni ke accord oyo ezali entre FCC na cash peuple pona mokolo lelo alingi yango soute esengeli vraiment président de la république ayeba ke accord wana ekoki kozala likolo ya peuple te peuple nde mokonzi peuple nde souverain yango wana biso na société civile tomoni likambo wana esengeli esila yango tosengi na population ba oyo bazali déjà ko signer pétition sur terrain ezali kotambola na ba commune nyonso tosengi na bango bakoba na ko signer yango pamba te tozosenga na mokonzi ya mboka en vertu ya ba prérogative na ye ayeba ndenge nini ya koboma accord wana FCC cash po ezo salisa biso te et puis aye ba ndenge nini ya koki ko dissoudre parlement assemblée nationale notamment na ndenge mibeko ya mboka etindie talatina o biso to sangana ki lelo pamba te mboka ezali na pasi mboka ezali na kokoso en tant que société civile esengela ki to telema na tondi bino botoni peuple Plus rien ne se passera sans nous. Alors nous allons attendre le texte parce que le premier papier a une petite faute. Il y a des éléments contenus dans cet accord qui ont déjà été exploités, qui ont entre autres conduit à ce qu'aujourd'hui il y ait eu élection, alternance à la tête du pays, et que au jour actuel qui gère, il y a des institutions bien que non performantes, et leur performance découle de la mauvaise qualité des animateurs. Et c'est à quoi nous nous attelons. Nous pensons que revenir sur les accords d'Addis Abeba, nous allons faire un bond très loin d'ailleurs. Et aujourd'hui, ce n'est plus possible matériellement, techniquement et même politiquement. Même politiquement. Il y a un président de la République élu et il y a des institutions qui doivent être améliorées. Et à la qualité des animateurs, oui, il faut y pouvoir qu'il y ait de bons animateurs qui gèrent le pays. Et au regard des problèmes de sécurité et même la manière dont le pays est saigné à blanc, a été saigné à blanc pendant toutes ces dernières années, et qu'aujourd'hui il y a la justice qui essaye de travailler là-dessus, je crois que nous devons aller de l'avant. Donc il y a une étude. Et une étude. C'est pas important la réforme.
que ce soit au niveau international, parce qu'il y a des bouches qui pensent que, ou qui font ou qui véhiculent des informations selon lesquelles, au niveau international, il y aurait une synergie des États pour qu'on aille vers les réformes sur pied de l'accord d'Addis Abeba. Là, j'aimerais dire clairement, et surtout éviter la distraction de notre peuple, que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Dans tous les salons politiques et tout ça, ce n'est pas ce qui est sur table. Ce n'est pas cette question-là qui est sur table. Et ce n'est pas sous ces formats-là que le pays va devoir fonctionner. Il ne faut pas se leurrer. J'ai une question. Au-delà de tout, il y a déjà un rapport établi par le groupe des 13. Il y a aussi la société civile qui ont déposé un rapport au niveau de l'Assemblée nationale qui sollicite cette réforme. Est-ce que si la société civile de l'RDC refuse ces réformes, vous pensez que le pays va avancer par rapport à cette situation? La société civile de l'RDC ne refuse pas les réformes. Elle soutient les réformes. Et nous soutenons les réformes et souhaitons que, ou souhaiterions que ces réformes puissent donner réellement le pouvoir au souverain primaire de voter, de se choisir les représentants ou les mandataires dans les institutions et d'être en mesure de les sanctionner à tout moment. À tout moment. Mais dans toutes ces réformes, on n'a pas exploité cet aspect-là. Alors que chez nous, à la société civile de la RDC, nous avons même une structure qui travaille sur c'est la dynamique de vigile de mandat. Et aujourd'hui, nous sommes obligés de recourir à la pétition parce que ceux qui sont là, ils se disent, ils se frottent les mains en disant, bon, nous attendons la fin de la législature, alors que le peuple pourrait nous sanctionner. Alors que nous estimons que le peuple, bien qu'ayant donné mandat, il détient par derrière lui, il continue à détenir ce pouvoir-là de retirer ce mandat à tout moment. Il faudrait que cela transpire dans les textes. Il y a également l'aspect sur la neutralité de la CENI et l'implication des acteurs ou des partis politiques. Ça pose problème. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas voir une structure appelée à arbitrer et puis avoir dans cette même structure des compétiteurs. Ça fausse tous les calculs. Et aujourd'hui, les gens pensent que la CENI, c'est une structure représentative. Non, la CENI n'est pas une structure représentative. Encore moins, elle n'a pas la vocation, pour bien faire son travail, de représenter toutes les couches sociales ou toutes les tendances politiques et les sensibilités. La CENI, c'est une structure technique et hautement politique. Elle doit travailler sur la grande vision du pays. Elle doit travailler techniquement pour asseoir et garantir la transparence. Je prends pour exemple les appareils de communication que nous avons ici. Lorsque vous achetez les unités, quand vous allez dans leur laboratoire, dans leur direction technique ou dans leurs ateliers, vous trouverez des armoires. Ce sont les armoires qui traitent toutes les informations. Ce sont les armoires qui répondent. Ce sont des logiciels qui sont dans ces armoires-là qui font que quand vous achetez les unités, elles intègrent la donne et puis vous permettent de communiquer. Une fois que ces unités sont terminées, c'est tout, ça s'arrête. Il n'y a pas à négocier. Alors, en conclusion, nous ne voulons pas que la CENI soit une structure délibérative où vous allez trouver des gens, après élection, ils commencent à raisonner, celui-là, est-ce qu'il peut passer, il ne peut pas passer, ainsi de suite. Nous ne voulons pas glisser sous cet aspect-là. Et nous voulons que la CENI soit une structure technique qui traduise fidèlement les suffrages tels que exprimés par le souverain primaire. C'est à cela que tient ce que nous appelons la redevance. Oui, Cordon, une question, parce que c'est le souhait de tout le monde de la population que cette coalition-là qui a une solution de cette coalition. Mais tant que le chef de l'État n'a pas encore donné le feu vert, que fera alors la société civile? Bon. Rassuré par le fait. Le chef de l'État, c'est quelqu'un qui respecte sa parole.
Vous vous rappellerez que dans une production publique à Londres, devant les Congolais de la diaspora, il avait souligné quelque chose de très important. Il avait dit, si un jour il est appelé à choisir entre la coalition et le peuple, il choisirait le peuple. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte de... La coalition a montré que c'est elle qui bloque, qui plombe l'élan de la gouvernance. Aujourd'hui, il est indiqué clairement que les gens dans la configuration actuelle qui sont dans la coalition, ses partenaires, ne travaillent pas pour l'intérêt de la population. Ils travaillent pour des intérêts particuliers. Et devraient-ils continuer avec une coalition qui n'est pas sincère, dans un contexte où le peuple attend et il a trop attendu. Il ne pourra plus attendre longtemps. Et c'est pourquoi nous pensons qu'il faut qu'il quitte cette coalition, qu'il y mette fin pour se consacrer résolument et entièrement à rendre service au peuple souverain. Matali, Lolenge, Onsa Malonda, Azaiki, élu, Nandenge, Parlement, Azaiki, Wanterine, élection. Alors, les loyaux, Madame Mabunda, dernièrement dans Top Congo, à l'obagique, Makambouana, Italie, Onsa Malonda, Azo Isango, on a confesseur religieuse. Et ça, une façon à Roloba, Azo, à comme Okimango Mambouke. Mais, Bissot, société civile, Onsa. Et ça, pour ça, a été peuple oisa souverain. À ça, là, Moussala, ça dit, a joué rôle naïe en toute responsabilité. Ce qui me là. Alors, ce qui bango bato cité, to dénonce à Makamou Souana, to comme un niveau que les loyaux passent et zo koba se kokoba. Peuple a zo souffrir makas. A émis sous le glingue ni na sala. Alors, to comme une siga que, au lieu peuple à tomboka, y a moins de salaire et pétition. Où le peuple a tombé, et quand on a eu le président de la République, allons on a coalition, on a pas coalition, on a, et zo sala, et l'autre est à mon côté. Alors, je crois que vous savez la société civile, et Zali, Pemben, il y a peuple, ce n'est pas un groupe d'intérêt, qu'on n'a pas intérêt à vivre son mot. Nous sommes des peuples, peuple, paix, ayoka, mais la cabisso. Ce qui, blocage, Zali, à ce moment-là, il ne faudrait pas, n'a bomba, maloba, peuple, à rubimander, n'a pas la côté. Et puis, Batouana de Bagozonga Sima. Donc, ça là, il y a en 2015, janvier 2015. Donc, ça là, il y a encore parce que c'est le même peuple qui continue à vivre et qui continue à souffrir. Parce que la FCC n'est pas au-dessus de la population.